Allez, bonjour la petite communauté, mais voilà. Si vous entendez que ça résonne, c'est normal, je suis dans le garage. Là, ce que vous voyez, c'est la dalle. Et voilà ce que je suis en train de terminer. J'ai plafonné les pans de mur. J'ai refait tout ce mur-là. Sur les anciennes vidéos, on voit bien que c'était très scabreux. Si j'y mets des plaques de J-plaque, j'ai fait tous les joints. Maintenant, je n'ai plus qu'à poncer, te peaufiner. Voilà. J'ai fait le fond. Bon, il y a encore un peu de désordre parce que bon, c'est ce qu'il me faut pour l'outillage. J'ai tout plafonné. Ainsi, vous voyez. Ça avance bien. Ici, normalement, si tout va bien, début du mois prochain, on pose les dalles au sol. Ainsi, le garage avance bien. Et en même temps, ben, j'ai fait tout l'encadrement de la porte de garage, aussi en J-plaque, hydro, exprès bon pour prendre l'humidité. Voilà. Ainsi vous voyez, avec la porte de garage, tout ce qui est. Voilà. En même temps, j'ai placé le chauffage. C'est-à-dire air pulsé via le poêle au pellet. J'ai encore toute l'installation d'eau à placer pour la future salle de bain qui sera au-dessus. Les poutres ont été remplacées aussi. Le plancher a été refait intégralement aussi. Ça avance, doucement mais sûrement. Ainsi vous voyez. Ici avec la lumière, je ne sais pas si vous verrez. J'ai fait les rebords. Tout est plaqué proprement, quoi. Bon, encore un bon petit mois de travaux. Et le garage, normalement, devrait être terminé. Normalement, si tout va bien, demain, je commence à poncer le restant des bandes pour bien faire proprement, pour que ce soit bien lisse. Et après, si vous voyez le petit pot là, ça s'appelle du latex. Et je vais appliquer la première couche de latex sur tous les murs pour qu'ils soient nickel, quoi. Et après, bon, ben, je continuerai, c'est-à-dire placer les caméras de surveillance, placer les tuyauteries d'eau, placer les collecteurs d'eau, retirer ce tuyau-là d'eau. Parce que celui-là, c'est l'ancien tuyau, puisqu'il y avait l'ancienne salle de bain avec ça, c'est le tuyau du WC. Mais comme ce tuyau-là disparaît complètement, il n'y a plus rien sur le mur ici. À part un câble électrique que je suis obligé de laisser parce que c'est ce qui va dans, juste ici, c'est ce qui va dans le salon de la maison. Ça, je peux pas l'enlever, mais bon, c'est pas grave, il n'y a qu'un câble qui passera. Et le restant, tout disparaît. Ben voilà, ainsi vous savez l'avancement du garage. Mais ça se termine. Doucement mais sûrement, si tout va bien pour le mois d'avril, mai, le garage sera fonctionnel. Les scooters reviendront ici. La moto aussi et la voiture reviendra par ici aussi. Et ben voilà, suite à la prochaine vidéo.